Eh bien, salut tout le monde, c'est MajoFan21 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, du coup, je vais vous faire trois modèles, deux retours de brocante et après ce sera vidéo Emmaüs. Alors, on commence avec cette magnifique Jaguar XJ6. Elle a pas joué. Elle est en super état. Elle a un vert anglais, super joli. Donc voilà pour le premier modèle. On continue avec un Aérobus. Donc celui-ci, c'est un modèle récent que j'avais déjà, mais je l'ai remplacé parce que le mien, il avait des éclats. Celui-là, il est neuf. Ils ont la particularité d'être vissés, ceux-là. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les années 2000. Donc bon, il est pas, c'est pas le plus joli des bus. Mais il est quand même sympa. Alors du coup, Bus Miniatrice, dis-moi si tu l'as celui-ci. Oh, il est courant. Hein. Il est courant, mais il faut le trouver en très bon état. Donc dis-moi si tu l'as. Parce que je sais que toi, t'aimes bien les bus. Voilà, donc il est sorti dans les années 2000. Et il a des vis, donc c'est cool. Voilà. Alors. Et le dernier modèle de brocante. Donc c'est une remorque Pepsi qui est magnifique. Elle a ses ouvrants à l'arrière. Elle a les pubs. Bon, malheureusement, hein, elles sont légèrement jaunies. C'est normal, c'est vieux. Pareil ici. Elle a les pubs. On est sur du Made in France. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite remorque. Et il y a son camion. Alors, elle était un camion, mais c'est pas le camion d'origine. Son camion, c'est un GMC Astro blanc à celle-ci. C'est quand même sympa, hein, une remorque Pepsi. Hein. Moi, j'adore. Alors, et son camion. Donc, c'est pas celui d'origine. Hein. Je l'ai eu avec celui-là. Mais bon, ça se prend quand même. C'est un camion porte-auto. Donc de deuxième génération. Donc ça se prend. Hein. Pareil, ça aussi, c'est du Made in France. Donc voilà. Juste un petit pet là, un pet là. Mais ça se prend quand même. Il est complet. Alors maintenant, on va passer au modèle que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc chez Emmaüs, voilà. Tac. Alors on va commencer avec une dépanneuse. Voilà. Qui est complète. Il manque juste la petite... comment on appelle ça? Le truc de remorquage derrière, donc il manque ça, le crochet, voilà. Tac. Donc faut que je voie si celui-là est en meilleur état que celui que j'avais dans ma collection. Parce que souvent il manque des bouts de plastique, il manque des petits trucs. Il faut que je regarde. Donc c'est quand même sympa. Hein. Et c'est du Made in France. Donc c'est cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite dépanneuse. Elle a joué, mais elle est correcte. Hein. Elle est correcte. Voilà. Pour ce modèle, alors on va mettre les gros ici.
Tac, et les petits là. Alors, on continue. Je prends au hasard dans le sac. Donc, avec un Scania. Qui est superbe. Donc, il manque son conteneur. Enfin, c'est pas un conteneur, c'est une benne. Donc, je vais voir si, si j'en ai un moins joli dans ma collection pour lui mettre une benne. Ou pas. Donc voilà. Donc classique. On continue. Avec. Allez. Alors celui-ci, il y avait le camion, mais il était pas en bon état. Alors j'ai enlevé la benne. Et je l'utiliserai pour un camion en meilleur état. En sachant que je l'ai déjà dans ma collection. Donc ça fait de la pièce. Voilà, un conteneur Renault Europe 92. Petite pièce détachée. Ensuite, un Saviem. Donc complet. Voilà, il manque juste ce qu'il y avait à l'arrière. Mais au niveau des bidons, il est bien. Donc voilà. Petit Saviem. On va mettre ça. Comme ça. Tac. Ensuite, on a. Donc, une ambulance. Alors. Avec à la les ouvrant et à l'arrière elle a un malade, voilà, donc elle est en état de jeu mais elle est correcte, voilà, elle a ses portières. Alors quand je l'ai acheté, elle avait la roue enfoncée ici. Je l'ai débloqué avec un couteau. Voilà. Celle-ci a la particularité d'avoir ces roues-là. C'est pas commun sur ces ambulances-là. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, petite ambulance. Alors, on a. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui. On a des camions comme ceci. Donc c'est des camions qui vont avec des remorques. Il n'y avait que les camions. Donc j'ai pris. Là on est sur du Made in Thailand. Et j'en ai un second. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc j'ai un. Alors là c'était un MAN avant et puis là c'est un Arctros Mercedes. Voilà, donc ceux-là ils manquent des remorques et les voitures de rallye. Allez, on continue avec. Un superbe camion. Alors celui-là, il va avec la remorque conteneur où c'est marqué exotique. Que j'ai aussi. Donc on est soit du Made in France. Moi j'aime bien ces petits Volvo. Hein. Ils sont sympas, hein, je trouve. Hein. Ils sont sympas. Allez, on continue. Alors, on a une limousine. Malheureusement, le seul truc qui va pas, c'est qu'elle est cassée ici. Après, j'ai aussi un. J'ai en complet. Donc, elle a la particularité d'avoir des ouvrants.
Donc voilà pour la limousine. Je ne sais pas si il y en a qui aiment ça, mais moi j'aime bien les limousines. C'est quand même sympathique. Elle a aussi du coup un toit ouvrant qui s'ouvre et qui se ferme. Et elle a des ouvrants à l'arrière et à l'avant. Donc là on est sur du Made in Thaïlande. Il y en a qui sont en Made in France aussi. Voilà. Après, je vous avoue, alors Emmaüs, tous les jouets là que je vous présente, sauf ceux de la brocante, donc les trois premiers véhicules, je les ai eus en brocante. Et tout ce que je vous présente maintenant là, je l'ai eu à 3 euros le sachet. Donc c'est vraiment donné, hein, c'est pour ça que j'en ai pris beaucoup. C'est parce que c'est pas cher. Ensuite, on a un Bernard avec les anciennes roues. C'est pas les premières générations. Mais c'est quand même sympa. J'en présente énormément des Bernard sur ma chaîne. Hein. Il y en a un second qui n'est pas complet. Celui-ci. Mais il a les anciennes roues, c'est pour ça que je l'ai pris. Focus, je fais pas. Hein. Voilà. Je suis bien en état de jeu. Tac. On continue avec. Alors là, on est sur du Jomajo Vintage. On est sur du Jomajo Vintage. Voilà. Une Mercedes 350 CL, SL plutôt. Donc là, on est vraiment sur du Jomajo Vintage. Hein. Je sais qu'il adore rentrer des voitures en état de jeu. Donc celle-ci, je l'ai rentrée. Pourquoi? Parce que bah, elle est complète. C'est juste qu'il n'y a plus de peinture. Mais elle a la tache, elle a le vitrage, elle a tout. Donc c'est ça, c'est une bonne base de restauration. Celle-ci, moi je pense que à ce niveau de peinture, ça ne me dérangerait pas de restaurer le véhicule. Voilà. Là, je pense qu'on est sur du 90%. Donc là, oui, ça ne me dérangerait pas de restaurer un véhicule comme ça. Donc c'est une bonne base de restauration. Pour ce véhicule-là. Qui est complet, hein. Donc c'est cool. Hop. Ensuite, on continue avec du vieux. Donc là, on est sur une Ford Capri au coloris vert métallisé. Il est magnifique. Malheureusement, bon, elle n'est pas neuve, mais elle est quand même correcte pour son âge. Donc on est sur du Made in France. Moi je la trouve sympathique cette petite Capri là. Hop. On continue avec une El Camino. Voilà. C'est marqué dessus en plus. Qui a alors des ouvrants avec le petit intérieur. Voilà. Pareil en état de jeu, mais complète. Elle a son attache caravane. On est sur du Made in Thaïlande. Très sympa comme. Moi j'aime bien ces modèles-là. J'aime bien ces modèles. Alors. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, une petite Golf 3, pareil, complète, avec un ouvrant. Elle a des sponsors. On est sur du Made in Thaïlande. Donc ils appellent ça Golf, c'est une Golf 3.
Ça court pas trop les rues, les Golf 3. Voilà. Pour ce modèle. On va encore deux petites, et après on va finir avec des grosses. Alors, j'en avais rentré une il n'y a pas très longtemps. Et j'en rentre une deuxième. Donc, c'est un Cherokee de rallye. Plutôt de Dakar. Donc là, on a des sponsors, Paris Le Cap, Air Inter, Rallye Oasis Paris Le Cap avec le Kléber. Non, il est vraiment sympathique. Il a le petit chien à l'arrière. Là, par contre, on est sur du Made in France. Donc voilà. Je trouve que c'est un très très beau modèle. On finit avec une petite. Alors voilà, celle-ci, elle est assez moderne. Mais je commence à prendre les voitures avec ces roues-là. Pourquoi? Parce que bah, ça commence à être vieux. Et bah, c'est une variante de la Corvette que je n'avais pas. D'une à l'intérieur rouge, c'est pas commun, et puis elle a pas le blanc sur les côtés. Donc voilà, elle est sympathique. Corvette 58. Voilà. Donc voilà, c'est pas un modèle rare, rare, mais c'est quand même sympa. Allez, on va finir avec trois véhicules. Allez, on finit avec un super modèle. Comme vous avez l'habitude sur ma chaîne, des beaux modèles. Comme celui-ci. En tout cas, sinon, je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, hein, je vous le dis de temps en temps. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'on est sur la route des 500 abonnés. Ce serait sympa d'aller vous abonner si vous pouvez. Et ça ferait monter à 500, ce serait cool déjà. Ça me permet de voir si des gens sont actifs un peu sur la chaîne et tout ça. Surtout aussi laisser des commentaires. Hein. Il y en a de plus en plus qui laissent des commentaires, mais essayez de commenter pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Dites-moi si vous avez des questions ou si vous voulez des vidéos spécifiques. Il y en a un l'autre jour qui m'avait demandé un vlog en brocante, ce que j'ai réalisé. Alors je peux pas réaliser l'impossible. Alors sinon. Après cette vidéo-là, normalement, si tout va bien, il y aura les vidéos vacances. Alors, il y aura une vidéo. Alors, je ne sais pas si je la ferai au bungalow ou au bord de la mer. Mais il y aura une vidéo où je vais acheter un lot chez un ami dans le sud. Donc, il y aura une vidéo où je vais acheter le lot. Donc, il y aura le retour de l'achat. Donc je ferai ça ou au bord de la mer parce qu'il y aura un beau cadre ou au mobilhome. Et il y aura une vidéo donc, que j'ai fait l'année dernière de la collection de mon ami. Donc c'est Seb Auto Collection pour ceux qui ont pas ceux qui veulent aller voir sa chaîne. Seb Auto Collection. Donc n'hésitez pas à aller check sa chaîne. Je vais aller faire une vidéo comme j'ai fait l'année dernière chez lui. Donc si vous voulez voir la vidéo que j'ai fait l'année dernière chez lui, elle est disponible. Il faut juste aller voir en arrière. Voilà. Je l'ai dû la sortir aux alentours de septembre-octobre de l'année dernière. Donc allez check. Et j'en referai une parce que du coup il a rentré quand même pas mal de modèles. Donc j'en referai une chez lui. Donc voilà, il y a deux vidéos assez sympas qui arrivent sur la chaîne. Donc sinon, on reprend avec ce magnifique pick-up. Donc, Made in France, hein, pour ce modèle, il a la particularité d'avoir un ouvrant. Et c'est un modèle sublime. C'est un modèle très très sympa. Et celui-ci, je l'ai trouvé. Alors, ils étaient tous dans une caisse. Et celui-ci, il était à part dans une caisse avec des voitures en plastique. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, oh, je vais fouiller dedans par curiosité et au fond de la caisse.
En retournant toutes les merdes en plastique, bah, il y avait ce trésor. C'est quand même fou des fois, hein. Il faut chercher des fois, mais on tombe sur des pépites sans s'y attendre. Hop. Alors on finit avec deux modèles. Un magnifique modèle. Voilà. Made in France. Alors pareil, on s'est battu au Emmaüs avec une quinzaine de personnes, des adultes, hein, que des adultes, pour avoir la moindre miniature. Franchement, je trouve ça un peu con, moi. Alors dites-moi si dans vos Emmaüs, ça se bat. Mais on se bat, je vous jure, on se bat pour la moindre miniature. C'est vraiment n'importe quoi. De nos jours, ce qu'il ne faut pas faire pour avoir des voitures. Voilà, maintenant ça se bat dans les Emmaüs pour avoir le moindre truc. Je trouve ça un peu con. Mais bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Et on finit avec un magnifique modèle. Alors celui-ci, je le cherchais depuis très longtemps. Malheureusement, il manque l'avion de chasse. Mais je le trouverai plus tard, c'est pas grave. En attendant, il est complet. Il manque juste l'avion de chasse, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Donc voilà. Ce magnifique camion avec la remorque neuve, le camion neuf. Bien sûr, on est sur du Made in France. Et voilà, alors un magnifique véhicule. Alors c'est pas simple à une main, excusez-moi. Mais voilà. Voilà. Tac. Il est vraiment très très sympa ce véhicule pour la fin de la vidéo. Je chercherai bien sûr l'avion de chasse qui va dessus. Voilà, c'est une pièce qui va être très très dure à trouver. Mais bon, on ne désespère pas. On le trouvera bien sûr. Alors cette remorque, c'est ce qu'elle a, elle a la particularité d'avoir ou un avion de chasse ou un bateau. Voilà, on peut mettre les deux. Mais bien sûr, moi je vais mettre celle qui est d'origine, donc l'avion de chasse. Donc voilà, on termine avec ce magnifique camion pour la vidéo. Donc voilà. Donc c'est pas des voitures de fou, mais c'est quand même une trouvaille. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner, c'est très important. Je sais que beaucoup, beaucoup partent à la fin de vidéo, mais si ceux qui restent... Essayez de voilà, commenter, vous abonner, poser des questions dans les commentaires. J'espère aussi que ce que je vous ai annoncé sur les vidéos vacances, ça va vous plaire. Dites-moi si vous les préférez à la mer ou au mobil-home, mais je sais déjà la réponse. On essaiera de faire une vidéo à la mer, bien évidemment. J'ai aussi un Instagram, donc c'est Majofan69. Je vais mettre aussi des photos en vacances de véhicules. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et je vous laisse sur ce plan. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!